Donc, sans plus tarder, vous indiquer un peu à quoi va ressembler cette séance. Je vais commencer par présenter brièvement, mais c'est quoi ce programme d'échange suivi d'un stage. Ensuite, on a invité donc huit aujourd'hui, mais vous représentez sept écoles participantes, donc du groupe des écoles Mines-Télécom en France, qui vont vous présenter leur école en 180 secondes. Donc, ça va être très bref, très punché et excellent, j'en suis certaine. Donc, ça va vous permettre d'avoir une vue un petit peu une vue d'ensemble sur les écoles où vous pourriez réaliser votre échange. Et ensuite, on a invité Laurence, qui est allée à Mines d'Alès et qui a fait un stage également, à venir parler en 5 minutes un peu de son expérience. Donc, voici. Tout d'abord, il y a une feuille qui va circuler dans la salle et ce serait important de vous inscrire, indiquer votre nom, prénom et matricule pour pouvoir vous donner accès à notre plateforme Web Échange, qui est la plateforme informatique qu'on utilise pour postuler au programme d'échange. Et moi, je me présente, je m'appelle Marianne Lafrance et je suis responsable du programme d'échange et j'accueille donc entre 500 et 600 étudiants donc chaque année qui viennent en échange ou en double diplôme à Polytechnique et il y a environ 150 étudiants, entre 150 et 200 étudiants qui partent chaque année en échange en France ou dans d'autres pays. Voici Esther. Oui, bonjour. Moi, je suis Esther Kawet. Je suis coordonnatrice de stage à l'international. Donc, j'encourage les étudiants, puis je les aide à se trouver des stages à l'international. Donc, je participe dans ce programme-ci particulier, Échange plus stage, pour vous supporter dans vos démarches de stage suite à votre échange. Voilà. Et maintenant, ben c'est quoi? En deux mots, c'est très simple. C'est l'opportunité d'allier une session d'études dans une des meilleures écoles d'ingénieurs de France à un stage industriel qui peut être réalisé un peu partout dans le monde. En fait, ça vous permet d'utiliser les contacts et les liens avec les entreprises des écoles participantes pour accéder à leur banque de stages puis à leur réseau. Donc, on a des étudiants qui vont partir puis qui vont faire un stage aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Moi, je vous dirais pourquoi. Je me fais souvent poser la question pourquoi je devrais faire ce programme-là ou pourquoi je devrais partir en échange. Mais écoutez, c'est vraiment, d'après moi et d'après également la recherche, un des meilleurs investissements qu'on peut faire pour soi-même, c'est-à-dire en termes de capacité, en termes de compétences, en termes de connaissances que vous allez acquérir. C'est sûr que ça va vous permettre de développer votre autonomie, votre débrouillardise, vos capacités d'apprentissage dans différents contextes, culturels, et d'acquérir des nouvelles connaissances sur, oui, l'ingénierie, comment c'est enseigné à l'étranger. Vous allez voir que les formations sont très différentes. Vous pourrez nous en parler ici. Les formations dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises sont plus généralistes. Ça vous permet d'avoir une perspective un peu plus globale puis un peu plus ouverte par rapport à ce que votre profession future. Donc, pour l'employabilité, c'est sans aucun doute un gros, gros plus de faire un échange. Puis en plus de le bonifier avec un stage, c'est vraiment un CV, en fait, à la suite de cette expérience, un CV qui va se démarquer positivement dans votre recherche d'emploi. Donc, ça, la recherche le démontre. Là, entre autres, il y a eu une étude auprès de 10 000 employeurs partout dans le monde qui ont démontré que 80 % d'entre eux valorisaient là, très, très clairement les expériences à l'étranger, que ce soit via les échanges ou les stages. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un investissement. Quelques caractéristiques du programme. En fait, il faut savoir que quand vous partez en échange, les cours que vous allez suivre dans l'établissement partenaire vont vous être crédités donc dans votre programme à Polytechnique. Ça ne va pas vous allonger d'une session. Également, il faut savoir que les écoles qui participent à ce programme d'échange plus stage ont été choisies pour la qualité de leur formation. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, des prestigieuses et de très haute qualité. Le nom, peut-être, quelques clarifications, c'est l'Institut Mines-Télécom. Il ne faut pas penser que c'est des écoles de génie minier exclusivement. On se fait poser la question ici. Non, pas du tout. Il y a tous les programmes de génie qui vont être offerts dans les différentes écoles participantes. Donc, il y en a 11. Vous pouvez déjà commencer à les regarder. Là, on a un dépliant qu'on vous a fait parvenir. Maintenant, l'expertise reconnue. Esther pourrait en parler davantage, mais très clairement dans le domaine fièvre ferroviaire, par exemple, les télécoms, les énergies. Donc, les écoles participantes ont des liens forts avec les industries, des industries qui se démarquent, donc des compagnies très, très intéressantes où vous pourriez réaliser votre stage. Esther va vous en nommer quelques-unes tout à l'heure.
Les stages sont toujours rémunérés en France, donc c'est autour de 1 200 € par mois. Vous êtes également éligible à des bourses, donc des bourses spécifiques pour faire votre échange. Et vous recevez le soutien de Polytechnique avant votre départ pour l'aspect plus administratif, la préparation interculturelle également. Et vous recevez le soutien, évidemment, de l'école où vous allez. Donc, eux se dotent de services pour vous accueillir et pour vous encadrer avant votre arrivée et une fois que vous êtes sur place. Donc, par où commencer? Bien, vous assistez à cette séance, c'est la première étape. C'est une séance obligatoire pour pouvoir postuler. Ensuite, vous allez vous inscrire donc sur la feuille qui va vous donner accès à notre plateforme WebEchange. Vous pouvez accéder à WebEchange très simplement en allant sur le site du programme d'échange. Vous avez l'adresse du site du programme d'échange sur le petit dépliant qu'on vous a fourni, qui est en couleur. Et donc, vous allez sur le site WebEchange, il y a une fiche pour chacune des écoles participantes. Donc, toutes les écoles, vous allez pouvoir trouver les génies qui sont offerts à titre indicatif, les moyennes exigées. Vous allez trouver des documents complémentaires qui vont vous permettre de peaufiner votre recherche. Donc, vous pouvez consulter la brochure, je pourrais dire, qui vous a été remise. Ça va vous donner les conditions de participation. Donc, pour voir, vérifier si vous êtes admissible au programme. Généralement, les étudiants vont partir durant leur troisième année pour participer à ce programme d'échange plus stage. Mais si vous êtes en fin de deuxième, début de quatrième, on sait que les cheminements sont parfois décalés. Je vais vous inviter à venir me rencontrer, puis on va pouvoir analyser plus en détail votre cheminement particulier. Donc, il y a des rapports de séjour sur WebEchange. Donc, des étudiants de Poly qui sont allés dans ces écoles, qui racontent leur expérience, qui indiquent les points forts, par exemple, combien ça leur a coûté par mois, où ils demeuraient, donc le logement. Donc, c'est toutes des informations très pertinentes pour vous guider dans votre choix d'établissement. Les sites web, bien entendu, c'est un incontournable pour consulter, entre autres, les cours qui sont offerts, parce qu'il va falloir trouver une école qui offre des cours qui pourraient donc être participer, dans le fond, à votre cheminement polytechnique. Donc, c'est parmi les cours qui vous restent à faire dans votre cheminement polytechnique. Vous allez chercher des cours qui vont être reconnus comme des équivalences dans l'école où vous souhaitez aller. Et ça, évidemment, ça va quand même déterminer le choix de l'école. Voici les 11 écoles participantes. Donc, elles sont vraiment dispersées géographiquement un peu partout dans la France. Et vos choix, ça devrait vraiment être fondé par rapport à votre intérêt envers l'école, ses forces, ses spécialités. La région géographique peut être un critère également. Et surtout, les cours qui sont offerts par rapport à votre cheminement. Il y a deux cheminements possibles si vous voulez partir via ce programme d'échange suivi d'un stage industriel. En fait, le cheminement numéro un, c'est de partir à l'hiver. Vous partez à l'hiver et ensuite vous enchaînez avec un stage en entreprise qui va être d'environ 3 mois, donc durant votre trimestre d'été, je pourrais dire, et vous revenez à temps pour recommencer à Polytechnique l'automne suivant. Sinon, il y a une deuxième option qui consiste à partir à l'automne, de faire leur trimestre d'automne et d'enchaîner avec un stage long, donc qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et là, c'est sûr que vous avez des responsabilités accrues pendant ce stage. Et vous verrez dans la brochure, vraiment, c'est détaillé, si vous partez dans l'une ou l'autre des options, à quel moment vous vous insérez dans leur cheminement. Parce qu'évidemment, quand on va en échange dans ces écoles, il faut que le cheminement proposé dans ces écoles vous intéresse puis corresponde à votre niveau, donc où vous êtes rendu dans vos études, si vous avez les préalables pour suivre les cours. Donc, si vous avez des questions sur les cheminements, suite à avoir lu la brochure, on va pouvoir vous expliquer plus en détail lors d'une séance ultérieure. Esther? Oui, alors, une fois que vous êtes en échange, donc, le stage va être la prochaine étape auquel vous allez penser. Et puis, pour moi-même, avoir visité certaines de ces grandes écoles-là, ils sont très bien organisés, avec des forums, stages et emplois, un peu comme ici. Et puis aussi, la qualité des écoles fait que les employeurs sont friands des étudiants de nos écoles partenaires. Donc, c'est très intéressant de pouvoir participer, déjà s'intégrer aux activités pour trouver un stage qui sont organisés par votre école d'accueil. Et puis moi, de ce côté-ci, je suis là pour éventuellement inscrire votre stage, vous aider
Des fois dans la signature de convention de stage, définir le stage, comme je le ferais avec des étudiants qui sont ailleurs, à l'étranger, ou comme on le fait pour un stage qui est au Québec. Donc, c'est exactement la même démarche. J'assure un suivi durant votre stage. Les évaluations sont faites par le superviseur de stage. Vous avez un rapport de stage à remettre. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec l'école. Et l'école sur place vous offre déjà beaucoup de contacts avec des entreprises. Si on montre la diapositive suivante, on a mis des logos d'entreprises où nos étudiants ont déjà fait des stages dans le passé, que ce soit chez Airbus, L'Oréal, Saint-Gobain. Donc, ce sont toutes des entreprises. Safran, actuellement, on a une étudiante. Donc, où Polytechnique commence petit à petit à être connue, Polytechnique Montréal. Donc, quand on est dans un autre pays, parfois, il faut se faire connaître. Donc, la qualité de la formation de Polytechnique est très reconnue. Alors, à travers les stages aussi, vous faites rayonner l'école. Donc, c'est vraiment une expérience intéressante. Et puis, vous allez pouvoir développer des compétences qu'on peut peut-être moins facilement développer quand on reste au Québec, on est dans sa zone de confort, alors que là, bien, tous nos sens sont sollicités parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des méthodes de travail qui peuvent être différentes, et puis c'est là que c'est intéressant pour nos étudiants, comme pour les étudiants des écoles qui vont présenter leur école en venant ici au Québec, développent leurs compétences interculturelles. Puis éventuellement seront des candidats très intéressants pour travailler sur des projets internationaux, avoir une carrière à l'international, des mandats à l'international. Donc, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les étudiants de Polytechnique à faire un stage à l'international, entre autres, avoir une expérience de mobilité aux études, mais également au travail. Moi, je me fais parfois demander pourquoi je devrais participer à ce programme-là d'échange suivi d'un stage plutôt que simplement de faire un échange ailleurs dans le monde ou faire un stage ailleurs dans le monde. Moi, je le vois vraiment comme un petit bijou à Polytechnique, ce programme, parce qu'on a travaillé très fort avec les écoles participantes pour développer des programmes qui fonctionnent, donc qui fonctionnent dans l'enchaînement de l'échange suivi du stage. Et on peut bénéficier d'un très bel accompagnement des écoles. Ils sont très, très motivés à vous recevoir. On accueille beaucoup de leurs étudiants. Vous en avez peut-être dans vos classes, hein? Vous êtes quand même très nombreux de venir des écoles des mines, entre autres, mais on en voit quand même peu d'étudiants. Donc, quand vous êtes accueillis là-bas, vous êtes vraiment accueillis de façon incroyable. Ils sont très, très contents de vous recevoir. Donc, ça fait plaisir à voir. Et nos étudiants reviennent très contents de leur expérience. Donc, en espérant que Laurence soit ici tout à l'heure pour pouvoir en témoigner. Voilà. Un petit mot pour terminer avec les bourses. Donc, tous les étudiants de Polytechnique qui partent en échange et bénéficient d'une bourse de mobilité. Donc, la bourse cette année est de 2 500 $ plus 500 $ pour la rédaction d'un rapport de séjour, donc ces fameux rapports dont vous allez bénéficier. Le montant, par contre, va être déterminé au mois de juin pour l'année prochaine. Donc, on s'attend à ce que ça tourne autour du même montant. Et c'est pour tout le monde, étudiants internationaux et résidents permanents y compris. Ensuite, logique, c'est les offices jeunesse internationaux du Québec financent 65 % des billets d'avion et des assurances santé. Il y a un forfait, là, dans le fond, il y a 450 bourses à la grandeur du Québec, mais généralement, nos étudiants sont nombreux à l'obtenir. Donc, ça peut aider également à financer. Et vous pouvez rester admissible auprès des bourses du gouvernement du Québec pendant votre échange, même si vous êtes à l'extérieur du Québec. Et enfin, mais évidemment, le stage, c'est une belle source de revenus là, pour financer des voyages peut-être éventuels avant ou après l'échange. Donc, je vous dirai les prochaines étapes. Réfléchissez à votre projet. Regardez la liste des écoles participantes. Essayez d'identifier une, deux ou trois écoles qui vous intéressent. Ensuite, je vous invite à participer à l'atelier de préparation du dossier, parce qu'il y a un dossier à monter pour Polytechnique. Et je fais un atelier la semaine prochaine, le 2 décembre, donc de 10 à 11 heures. Le local est sur notre site Internet, très facilement, vous allez le trouver facilement. Et donc, on va aborder qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans le dossier de participation, comment ça va se passer pour la sélection,
Je vous rassure, il y a une sélection, mais le but n'est pas de décrémer les étudiants. On n'a pas un quota maximal d'étudiants à envoyer. C'est simplement de s'assurer que votre projet est bien réfléchi, solide. Vous avez des motivations assez importantes à partir. Et on va vous aider à monter votre dossier. Et ensuite, vous déposez le dossier le 23 janvier. C'est une seule date par année, donc il ne faut pas manquer sa chance si vous souhaitez partir l'année prochaine. Vous allez passer votre entrevue de sélection au mois de février et ensuite, vous allez recevoir la réponse à la fin février. Donc, vous pourrez donc partir l'automne prochain ou l'hiver suivant. Je vais tout de suite laisser la place à la présentation des écoles. On a quand même donc 7 écoles représentées aujourd'hui. Donc, on leur a demandé d'être bref. Donc, en 180 secondes, c'est un concours. Donc, vous avez votre bulletin de participation. On va vous demander de voter pour la meilleure présentation. Donc, écoutez bien et on va récupérer les coupons à la toute fin. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Caro et je suis actuellement ici dans le cadre d'un double diplôme pour réaliser une maîtrise en génie industriel. Et aujourd'hui, je vais présenter mon école d'origine, donc les mines d'Albi. Je vous propose tout de suite d'en savoir un peu plus sur la localisation. Donc Albi, c'est où ? Albi, c'est une ville du sud-ouest de la France, située à 40 minutes de Toulouse, donc une des plus grandes villes étudiantes de France, à 4 heures de Barcelone, mais aussi à 2h30 des pistes des Pyrénées. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est une ville qui est vraiment très jolie, avec un fort patrimoine historique. Donc, si vous choisissez cette école, vous aurez le choix d'options dans 4 grands domaines d'activité. Donc, le premier, c'est éco-activité et énergie. Le deuxième, c'est ingénierie des matériaux avancés et des structures. Biosanté ingénierie. Et enfin, le centre de génie industriel, processus et systèmes d'information. Donc, les cours aux mines d'Albi sont dispensés un peu comme ici, donc en amphithéâtre. Et vous aurez en plus des travaux dirigés et des TP d'environ 25 personnes. Donc, pour ce qui est de la vie étudiante, alors celle-ci est grandement facilitée au mines d'Albi parce qu'en fait, l'école possède 4 résidences pour pouvoir loger tous ses étudiants. Donc, vous pouvez voir sur la photo du campus une de ces résidences. Donc, l'école proposera de louer des chambres de 18 mètres carrés avec cuisine incluse. Donc, l'école, comme vous pouvez le voir, dispose aussi d'un grand campus avec terrain de sport, pratiquer du foot, du rugby, d'un gymnase et aussi de salle de sport. Donc, qui dit vie étudiante dit aussi des événements réguliers, des tournois sportifs, mais aussi des associations très actives qui sont ouvertes à tous. L'école possède aussi 3 centres de recherche. Donc, le centre Rhapsody pour l'étude des poudres et la valorisation des déchets, le centre Clément Ader qui étudie les nouveaux matériaux et leur mise en forme pour l'aérospatiale, et enfin le centre de génie industriel pour tout ce qui est système d'information, gestion innovante de projets collaboratifs. Donc voilà. L'avantage d'avoir en fait ces centres de recherche, c'est que ça a permis à l'école, enfin c'est un des points qui a permis à l'école de développer de nombreux partenariats avec les entreprises et d'être vraiment très reconnue dans la région. Donc l'avantage pour les élèves, c'est qu'en fait la recherche de stage est vraiment facilitée parce que l'école reçoit très régulièrement des offres de stage et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai pu réaliser un stage de 4 mois en centre de recherche et développement. Donc l'école vous proposera aussi de prendre contact avec les entreprises lors de projets mais aussi lors du forum qu'elle organise tous les ans. Donc, vous pouvez voir à l'écran quelques-unes des entreprises qui étaient présentes au forum qui s'est déroulé en Europe cette année. Donc, en quelques mots, pourquoi les mines d'Albi plutôt qu'une autre école? Parce que c'est une école à taille humaine qui a des promos de 200 élèves et environ 600 personnes sur le campus. Il y a beaucoup d'ambiance dans cette école. C'est un cadre de vie mais d'études aussi qui est vraiment idéal. Des options qui sont variées et très intéressantes. C'est une école qui est, comme je vous l'ai dit, reconnue dans la région mais aussi internationale. Des valeurs fortes. C'est des activités sportives, des associations ouvertes à tous, donc que ce soit le club théâtre, le club randonnée, le week-end ski. Et enfin, bah, Albi, c'est le sud, donc c'est aussi le soleil. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous encourage vraiment à partir, parce que c'est un très bel échange. Est-ce que je peux passer à la... position suivante. Donc bonjour à tous, donc moi je me présente, je m'appelle Alexandra et je viens des mines de Douai et je suis ici à Poly pour un semestre afin de parfaire mes connaissances dans le génie informatique et logiciel. Donc tout d'abord au niveau de mon école, donc il faut savoir qu'elle est implantée dans le nord de la France, donc au sein de la ville de Douai et qu'elle est à proximité de nombreuses métropoles européennes. Ensuite, concernant mon école au sein de l'Institut Mines Télécom,
Donc, faut savoir que c'est une école qui est plutôt tournée vers l'industrie, c'est-à-dire que nous avons 56 semaines de notre formation en 3 ans qui sont consacrées pour des stages. Également, contrairement à Poly, nous avons des promotions qui sont beaucoup plus petites. Chaque année, on a environ 200 à 250 élèves qui intègrent notre école, dont 10% qui proviennent de l'étranger. C'est la raison pour laquelle Mindoué fait partie du top 10 des écoles en France tournées vers l'international. Au niveau des services qui sont dispensés aux élèves étrangers afin de favoriser leur accueil, donc on a de nombreux clubs et comités qui organisent généralement des activités. Donc par exemple, la proposition de pouvoir pour laisser les étudiants étrangers cuisiner leurs plats typiques afin de les faire goûter aux Français. Également, concernant les services dont disposent les étudiants, donc tout d'abord, il y a plusieurs résidences étudiantes. Généralement, elles sont choisies par les étudiants vis-à-vis des colocations, car le coût est moindre. Également parce que c'est là où se passe la majeure partie de la vie étudiante. On a plus de 30 clubs et associations qui proposent des activités. Ensuite, concernant les cours et la formation, donc faut savoir que en fait, l'école est plutôt tournée généraliste, c'est-à-dire que nous avons des cours dans différents génies, mais également une possibilité de spécialisation lors d'un trimestre commençant en janvier. Ensuite, concernant nos heures de travail, ils sont beaucoup plus denses qu'ici à Poly, mais en revanche, vous avez très très peu de travail personnel. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter le site web de l'école où vous aurez plus d'informations sur les différents cours proposés. Au niveau des stages, donc, on a des cours qui sont dispensés afin d'aider à chercher des stages, on a des forums et de nombreuses entreprises qui sont partenaires. Ensuite, pourquoi est-ce que vous devriez choisir une école étrangère ? Donc, je peux que vous conseiller de faire un semestre à l'étranger parce que forcément, vous allez être immergé dans la culture du pays d'accueil. Et également, si jamais vous partez notamment en France, au sein de mon école, je sais que vous ne serez absolument pas isolé puisque les gens ont tendance à aller vers les étrangers avant d'en apprendre un peu plus sur leur culture. Et donc, c'est assez simple de se lier d'amitié avec eux. Et également, si jamais vous souhaitez pouvoir partir pour visiter un petit peu, il y a des voyages qui sont organisés au sein de notre école afin que les étudiants puissent partir entre eux. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Moya et je suis là pour vous présenter donc, mon école d'origine en France, qui est l'école des mines de Nancy. Donc Nancy se situe dans la région Grand Est, donc à l'est, dans la région Est de France. C'est une ville très dynamique qui permet de voyager notamment en France. Elle se situe à 1h30 de Paris et aussi de pouvoir faire des voyages en Europe. Donc nous, on est très proche de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique, donc très facilement accessible pour faire des petits week-ends. Donc pour la petite anecdote, moi je suis originaire de Toulouse et donc j'ai dû aussi partir de chez moi pour faire mes études. Donc concernant donc Nancy, je vous ai dit, c'est une ville très dynamique. Il y a 40 000 étudiants dans la ville. Donc on a un patrimoine aussi culturel et historique très fort, avec notamment la place Stanislas qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou le parc de la Pépinière, donc vous découvrirez, qui est vraiment très très beau. Et vous pourrez aussi goûter aux spécialités locales, donc que ce soit les bergamotes, les macarons, le pâté lorrain ou la quiche lorraine, en passant par les mirabelles. Donc, concernant l'école des mines, c'est une école qui a un tout nouveau campus. L'école est toute neuve. On est un campus très particulier parce que c'est un campus qui regroupe 3 écoles. Donc, l'école des mines de Nancy, l'école de commerce de Nancy et l'école des beaux-arts de Nancy, pour former l'alliance Artem, qui permet en fait aux étudiants des différentes formations d'échanger et d'avoir des cours en commun. Donc ça ouvre des perspectives, notamment de découvrir d'autres formations à travers des cours ensemble. C'est aussi donc 580 étudiants répartis en 3 promotions, donc ce sont vraiment des petites promotions. On a parmi cet ensemble d'étudiants, 25% d'étudiants internationaux, donc vraiment n'ayez pas peur, on vous serait très bien accueillis par l'ensemble des étudiants. Concernant les questions pratiques sur les cours, les stages et même le logement, donc on fonctionne un peu comme à Polytechnique sur le logement. Beaucoup d'étudiants sont en colocation, c'est ce qui est le plus facile sur la ville. Pour la partie des cours, c'est équivalent au génie, on a des départements.
Et donc, vous avez le détail des cours disponibles sur le site. Donc, pourquoi vous devriez venir à Nancy? Déjà, pour les comités, vous avez énormément d'activités, c'est très dynamique. Pour l'ambiance, on est une grande famille et vous serez intégrés très rapidement, avec notamment un week-end d'intégration spécialement fait pour vous. Pour les événements, on a des événements sportifs, culturels, festifs et des voyages aussi prévus en Europe. Et pour la ville aussi, qui est une ville à taille humaine et qui est très facilement, on peut facilement la découvrir à pied. Donc, merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Tanguy Picard, je viens des mines de Nantes et je suis ici pour 2 ans en maîtrise aérospatiale. Du coup, pourquoi les mines de Nantes? Parce que déjà, j'ai choisi cette image-là parce que ça présente les robots de l'île de Nantes et c'est vraiment pour montrer que c'est une ville vraiment très dynamique au niveau culturel et aussi tout ce qui est industriel. Donc, pourquoi Nantes et où s'est située Nantes? Donc Nantes, c'est dans les Pays de Loire. Les Pays de Loire, c'est entre la Bretagne et grosso modo le reste de la France. C'est une région qui est assez riche au niveau culturel. Il y a par exemple les châteaux de la Loire, qui sont comme Chambord en bas de mon slide. Donc c'est vraiment une zone très riche au niveau culturel. Il y a beaucoup de châteaux, il y a toute l'histoire de la Vendée. Donc il y a beaucoup de... C'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Après, au niveau plutôt de l'école, c'est une école qui a sur site à peu près 1100 étudiants, avec à peu près un tiers d'étrangers sur le campus de l'école. Il y a 4 départements de recherche, plutôt orientés automatique, productique et informatique. Il y a aussi sciences sociales et gestion, donc c'est tout ce qui est orienté, on va dire, gestion de projet, pour ceux qui sont en maîtrise, gestion de projet ici, par exemple. Après, il y a tout l'aspect énergétique et environnement. Il faut savoir que, pour venir au dernier département, l'école a été créée, entre autres, dans les années 90, pour répondre à la demande en ingénieur d'informatique et nucléaire. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi dans ce secteur-là en France, et l'école y répond. Après, pour l'hébergement, on a un hébergement qui est juste à côté de l'école, à 3 minutes à pied, donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Comme vous pouvez le voir sur les photos aussi, c'est vraiment une école qui est vraiment dans un cadre vraiment très vert, et on a un centre sportif gratuit avec des terrains de sport, une salle de sport aussi, et tout est vraiment au bord de l'Erdre. L'Erdre, c'est le cours d'eau que vous voyez à côté, et il y a des chemins de course, par exemple, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et après, pour parler un peu plus de la vie étudiante, on est une communauté qui est assez internationale. Par exemple, les étudiants peuvent voter à tous les comités. Donc, ils font vraiment partie de la vie étudiante. Et ils sont, en général, privilégiés. Enfin, ils ont accès quasiment directement au campus sur l'école, sachant qu'il y a un deuxième campus en ville. Et donc, après, pour parler un peu plus du monde du travail et des mines de Nantes, c'est une école qui est vraiment très, très axée industrie. Donc, il faut savoir qu'à peu près tous les étudiants trouvent leur stage avant le début la date limite de stage, on va dire, entre guillemets. Donc, ça veut vraiment dire qu'il y a suffisamment d'offres pour tout le monde et qu'on n'a même pas forcément beaucoup besoin de chercher un stage parce qu'il y en a plein qui sont proposés. Donc, on a des gros partenariats avec, entre autres, EDF ou Safran et la SNCF qui embauchent une grosse partie de nos promotions en stage. Donc, après, mon dernier point, ce serait pourquoi Nantes? Parce que ça, c'est une ville hyper dynamique, avec un patrimoine vraiment super intéressant. Et c'est une ville qui a vraiment du caractère. Et dès qu'on sort en ville, on peut vraiment rencontrer des gens vraiment très intéressants, se poser dans un bar, parler avec des gens vraiment hyper facilement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié à Nantes, parce que d'où qu'on vienne, on peut profiter de Nantes. Voilà. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, délivrant notamment le diplôme d'ingénieur civil des mines, l'un des meilleurs en France. Donc, ici, Simon Martin, en 3e année de baccalauréat, il fait également une licence en économie et est chargé de projet pour Net Junior Entreprise. Merci. Donc, voici Romain Tovesca à ma droite, qui est dans la même promotion que moi et qui fait aussi une licence 3 d'économie. Donc, vous pouvez voir. La France, et surtout où est Saint-Étienne? Donc il y a 2 campus, Saint-Étienne et Gardanne. Et surtout, pourquoi Saint-Étienne, sa position est importante? Alors, dans le Saint-Étienne est idéalement placé au cœur de la France. Vous pourrez visiter les principales villes françaises et européennes, ou encore aller au ski et à la plage rapidement. Mais Saint-Étienne est également une belle ville, notamment ville UNESCO du design. Saint-Étienne est également terre de football, car elle héberge un club emblématique en France, les Verts,
où l'ambiance au stade est indescriptible. Donc vous pouvez voir ici une photo de la devanture de l'école. Donc c'est une école qui est chargée d'histoire, puisqu'elle a plus de 200 ans, donc on a fêté le bicentenaire cette année. Alors maintenant, notre école en quelques chiffres. Dans 3 campus, 1430 étudiants, dont 22% d'étudiants étrangers, donc vous ne serez pas les seuls. Également, un week-end d'intégration pour tous se souder, mais également un uniforme, puisque j'ai parlé d'histoire. Et avec 200 ans d'histoire, nous sommes une des 3 écoles civiles en France à posséder un uniforme que vous aurez l'occasion de porter, si vous le voulez, pendant les grandes occasions. À noter aussi la présence d'une résidence pour les élèves, où vous trouverez forcément une place, avec de nombreuses animations, avec les nombreuses associations qu'il y a aussi dans cette résidence. Alors, en ce qui concerne les cours, donc vous pouvez retrouver le détail sur le site, mais vous devrez choisir une majeure, 3 toolbox et un défi. Les domaines sont très variés, donc comme vous pouvez le voir, donc vous avez vraiment le choix. Alors, avec tous ces domaines, vous pouvez rejoindre pour vos stages ou pour vos travaux un des 5 centres de recherche qui sont au sein même de l'école et qui sont avec une réputation internationale pour des domaines qui sont vraiment variés. En effet, donc, ces centres de recherche donc, sont à la pointe de la technologie, dans des domaines donc, très variés, comme Simon l'a dit, dans la santé, en microélectronique, en mathématiques ou encore en matériaux. Également, de nombreuses entreprises donc, sont présentes pour vous accueillir lors de votre stage à Saint-Étienne et dans les environs. Et notre école vous accompagnera afin de trouver votre stage idéal. Enfin, donc, pourquoi choisir notre école ? Donc, déjà pour sa renommée. Oui, donc bien sûr, c'est une école historique, une des meilleures en France, avec un des meilleurs diplômes de France, qui est l'ingénieur civil des mines. Donc, comme on l'a dit, également pour son excellence dans tous les domaines, mais aussi pour sa situation géographique. Et donc, pour son histoire, c'est une des écoles les plus vieilles de France, chargée d'histoire, avec une implication historique et aussi industrielle importante. Et enfin, donc pour sa convivialité, nous sommes des petites promotions de 120 élèves, et donc tu n'auras pas de problème pour t'intégrer. Merci. Bonjour à tous. Donc on va continuer avec la présentation de mon école d'origine, Télécom Lille. Donc très rapidement, je me présente, je m'appelle Maxime Sœur, je suis français, j'étudie les télécommunications et les réseaux et je suis actuellement en deuxième année de cycle ingénieur à Télécom Lille. Et je suis ici à Poly, ingénieur informatique et logiciel, pour un échange du semestre. Donc on part en France, à Lille, dans le nord de la France, dans la région des Hauts-de-France. Lille, donc, qui est une ville assez intéressante, surtout pour les étrangers, puisqu'elle permet d'accéder très facilement à toute l'Europe, notamment en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, mais vraiment à toute l'Europe. Vous pourrez découvrir là-bas, si vous y allez, des spécialités culinaires telles que le maroilles ou le welsh, et assister à des événements tels que la braderie de Lille, très important, et plus au nord, le carnaval de Dunkerque. Donc, Télécom Lille, ce qu'il y a de vraiment important à retenir, c'est que le cursus, c'est 40% du temps passé en stage. Et on a pour ça plus de 1000 entreprises partenaires. Sur le campus, on a plus de 4000 étudiants internationaux, donc vous ne serez pas tout seul, il y en a beaucoup. Et enfin, au niveau de la recherche, on a 52 enseignants-chercheurs, excusez-moi, et plusieurs laboratoires qui sont sur le campus. Donc la vie étudiante à Télécom Lille, c'est plusieurs bureaux. Le bureau des élèves qui s'occupe de la vie étudiante en général, le bureau des sports, le bureau des arts, qui présentent des événements tout au long de l'année, que ce soit les intégrations, la mi-scolarité, des voyages, des afterworks, etc. Donc n'hésitez pas à participer, c'est ouvert à tous. Sur le campus, au niveau du logement, on a une résidence qui s'appelle la résidence Reflex, qui est affiliée à Télécom, qui est située à 5 minutes de Télécom et à 5 minutes du métro. Donc j'y ai vécu, vous pouvez y aller, c'est vraiment sympa. La résidence a à peine 2 ans. Et au niveau du transport, métro et bus chez Transpol, j'ai mis des liens. Pareil pour les restaurants universitaires, vous pourrez les consulter plus tard. Pour la vie étudiante sur le campus, cette fois, beaucoup d'activités sportives et de loisirs qui sont disponibles, des voyages, des concerts, des expositions débats. Et pour les étudiants internationaux, un accueil qui est fait, une aide aux démarches administratives et au logement et une intégration. Pour ce qui est des cours, ce qui vous concernera principalement, ce sera les spécialisations scientifiques et spécialisation management. J'en ai mis une copie ici que vous pourrez regarder et la liste complète sur les liens ci-dessous. Le déroulement des cours se fait pratiquement comme à Polytechnique, c'est-à-dire qu'il y a des cours magistraux en amphithéâtre, des travaux dirigés, des travaux pratiques et une évaluation en fin de module. Pour ce qui est des stages en entreprise, la recherche se fait à l'initiative de l'étudiant, donc il y a des CV, des motivations à rédiger et à déposer aux entreprises. Il y a également une base de données des stages déjà effectués qui est disponible pour les étudiants, et aussi beaucoup de mises en relation et d'événements pour mettre en relation avec des entreprises.
Ici, quelques exemples d'entreprises et thématiques de stage, donc vous pourrez les consulter a posteriori. Et pourquoi faire un stage? Parce qu'au-delà de 2 mois, c'est rémunéré, donc à peu près 550 € minimum. Et il y a d'autres avantages possibles et également une construction d'un large réseau de contacts importants et une expérience en entreprise, c'est vraiment ce qui va vous construire votre projet professionnel futur. Enfin, pourquoi choisir Télécom Lille? Pour les opportunités de stage principalement, pour les cours orientés télécom, pour ceux que ça intéresse évidemment, une vie étudiante très active sur le campus et sur l'école, un accès à l'Europe entière et une énorme culture à partager. Je vous remercie. Alors bonjour à tous, je m'appelle Corentin Brestaud, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous raconte ma vie, mais de toute façon je vais le faire quand même. J'ai un télécom sud Paris et comme je suis filmé, je peux vous dire que la vérité sur mon école. Donc la vérité, c'est que grâce à elle, l'été dernier, j'ai passé 2 semaines à Budapest pour monter ma propre entreprise. La vérité, c'est que grâce à Télécom sud Paris, j'ai créé et participé à un meeting de montgolfière. Et j'ai même un pote qui a fait un vol en 0G avec Thomas Pesquet. Alors Thomas Pesquet, si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, il est astronaute pour l'Agence spatiale européenne et il a fait une année d'études ici à Polytechnique Montréal. Alors tout ça, où est-ce que ça se passe? Ça se passe, vous l'avez sûrement compris depuis le temps, en France. Mais surtout à Ivry, qui est à côté d'une ville un petit peu connue qui s'appelle Paris, à 30 km. Et comme vous voulez partir, j'imagine que vous aimez bien voyager, donc ça tombe bien parce que Paris, en train, c'est à 2 heures de Bruxelles, pareil de Londres, et c'est à 3 heures de Berlin. Juste un exemple. Donc en gros, vous serez au cœur de l'Europe. À Télécom Sud Paris, vous aurez à peu près 1000 étudiants, vous aurez un campus, enfin un gros campus, et vous avez la chance inouïe de le partager, ce campus, avec Télécom École de Management. Donc en fait, vous êtes 2000 étudiants en tout, et c'est une chance parce que vous allez pouvoir partager des cours, beaucoup de cours avec eux, qui est une formation complètement différente de la formation d'ingénieur, mais pourtant complémentaire. Et en plus, ça fait pas mal de personnes supplémentaires pour les soirées. Qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, c'est une école de formation d'ingénieurs généralistes du numérique. C'est un petit peu compliqué. En gros, quasiment tous les domaines du digital, le réseau, de la physique pure, des mathématiques appliquées. Vous avez tout un choix, quelques-uns sont ici, je vous invite à consulter le site internet si vous voulez plus de détails, vous aurez toute une liste et toutes les informations que vous avez besoin. Alors pourquoi le monde du digital? On va ouvrir une dernière fois une page de la vie de Corentin. J'ai eu la chance de faire un stage chez EDF R&D il y a 2 ans, donc c'est l'équivalent français d'Hydro-Québec, une entreprise de 150 000 personnes, et j'ai été à 20 km des côtes anglaises sur un bateau installé dans une éolienne offshore, un petit capteur de pression. Donc, j'ai pu bosser dans l'énergétique et aujourd'hui, je suis à Polytechnique Montréal et je bosse dans l'aérospatiale. L'avantage donc du digital et surtout Télécom Sud Paris, c'est que vous allez pouvoir bosser dans n'importe quel domaine et surtout le domaine qui vous plaît. Et en plus, si vous allez à Ivry, vous ferez ça à 30 km de la, faut le dire, la plus belle ville de France, qui a un patrimoine historique, culturel, etc. incroyable. Et vous pourrez avoir une porte ouverte sur toute l'Europe, puisque toutes les grandes villes européennes sont à quelques heures de train. Voilà tout pour moi. Si vous avez des questions à la fin, je resterai, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, actuellement, nous avons terminé les présentations, donc on va vous inviter à voter et puis on va ramasser vos votes. Entre-temps, pour la dernière école qui est présente, Mines d'Alès, on a le plaisir de rencontrer ou d'écouter Laurence Simard, qui est une étudiante de Polytechnique et qui a fait un échange. Donc, vous avez eu des présentations d'école. Maintenant, vous allez avoir une expérience vécue et je vous laisse sans tarder avec Laurence qui va vous expliquer quelle a été son expérience. Par la suite, on va passer à une période de questions plus générales et dévoiler le gagnant lorsque nous aurons la réponse. Alors, c'est à toi, Laurence. Bonjour, donc je m'appelle Laurence. J'ai fait mon échange aux Mines d'Alès à l'hiver dernier, puis j'ai fait un stage par la suite chez Aegis à Marseille et à Aix-en-Provence. Donc, l'entreprise est située aux 2 endroits, je travaillais dans les 2 villes. Donc, à mon université, en fait, on avait des cours pendant 3 mois. Donc, les 2 premiers mois, c'était des cours en classe, comme on a Polytechnique, mais de 8 heures le matin à 6 heures le soir, avec, en fait, des blocs de 2 heures. Donc, ça faisait vraiment différent de ce qu'on a ici, avec des pauses à toutes les 50 minutes.
Puis le dernier mois, en fait, de ce 3 mois-là de cours réguliers, c'était des intervenants extérieurs qui venaient nous parler, en fait, du métier de génie civil, donc sur plusieurs domaines. Le seul problème, c'est que des fois, pédagogie, c'est un petit peu moyen, mais bon, c'était quand même vraiment intéressant d'avoir vraiment des formations sur plusieurs jours. Puis ensuite, j'ai fait une mission de recherche et développement, donc pendant 5 semaines, donc le dernier mois de mon échange. J'allais plus du tout à l'école, j'allais au centre de recherche, puis on étudiait en fait la composition de certains bétons pour les mettre en milieu marin. Je vous évite les détails des trucs de génie civil, mais en gros, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que j'ai fait autant des cours qui sont très différents de ce qu'on a à Polytechnique, des présentations avec des intervenants et de la recherche. Ensuite, j'ai déménagé. Je suis allée à Marseille pendant 3 mois. Donc, je faisais la route entre Marseille et Aix-en-Provence presque tous les jours, sauf les jours où je travaillais à Marseille. Puis, en fait, j'ai travaillé en transport, qui n'est pas nécessairement un domaine qui m'intéresse, mais ça m'a vraiment fait découvrir un autre monde. Puis, pour 3 mois, c'était vraiment très, très intéressant. Parce qu'en fait, en France, le transport, ce n'est pas considéré comme du génie civil. Donc, il me trouvait un petit peu spécial d'arriver avec ma formation d'ingénieur pour faire du transport. En général, c'est de l'urbanisme, mais bon, ici, c'était considéré comme du génie civil. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai fait des créations de simulations dynamiques pour étudier le trafic, du traitement de données avec Excel, des plans de déplacement urbain, en fait, comment aménager des villes, des choses comme ça. Donc, en gros, ce que j'ai appris comme compétence dans mes cours, bien, c'était une approche vraiment plus pratique que ce qu'on a appelé, entre autres à cause des intervenants et de la recherche. Dans ma mission de développement, donc justement, c'était un peu comme un travail en fait, parce qu'on faisait ça 8 heures par jour. Puis finalement, le stage, ben, ça m'a mis dans le monde du travail réel, donc j'ai appris à utiliser des logiciels de simulation, ce que je ne faisais pas avant, et approfondir Excel, parce qu'on apprend toujours sur ce logiciel-là, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vous inviterai à poser des questions, si vous en avez, pendant qu'on fait le dépouillement du vote, donc que ce soit pour les étudiants des grandes écoles ou pour Marianne, moi-même ou Laurence. Oui? Il y a la possibilité de faire un échange à Pointe-Chaussée. Cette école fait pas partie vraiment du réseau, ne fait pas partie du réseau MinTélécom, avec lequel on a vraiment développé un programme spécifique d'échange suivi d'un stage. Donc, moi, j'avais peut-être quelque chose à vous spécifier. Ça peut être une question que vous vous posez ou que vous allez vous poser. On a une belle diversité de programmes. Les étudiants ont tous dit qu'il y avait une grande offre de cours. Peut-être vous vous demandez, moi, dans la formation que je fais actuellement, est-ce que j'ai accès à tout ça? En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas, par exemple, parce que vous êtes en génie mécanique qu'il faut vraiment aller dans un programme de génie mécanique. Parfois, les titres des génies, les titres des programmes ne seront pas les mêmes qu'ici. En fait, vous pouvez sélectionner quelque chose qui est similaire à votre formation actuelle. Ce n'est pas obligé d'être exactement la même chose. L'idée, c'est vraiment que les cours que vous allez suivre là-bas doivent, par contre, être reconnus comme des équivalences à des cours qui vous restent à faire dans votre programme. Ce travail-là, vous allez le faire au mieux de votre connaissance. Vous allez faire une proposition de ce qu'on appelle un contrat d'études. Et ce contrat d'études va être analysé par un professeur de votre département et dans le but d'être approuvé. Dans le fond, et quand vous allez suivre les cours là-bas, ils vont vous être crédités à votre retour s'ils sont réussis. Et quelque chose de particulier, quand on fait un échange en France, c'est qu'il faut vraiment viser à suivre les cours d'un semestre en particulier. Par exemple, si vous partez à l'automne, vous allez suivre leur semestre numéro 1, 2, 3, dans le fond, 1, 2, 3. Le 3, par exemple, il faudrait que vous suiviez l'intégralité des cours du semestre, du troisième semestre ou du cinquième semestre. Alors qu'à Polytechnique, vous pouvez plutôt piger des cours dans différentes années ou dans différents programmes. Et là-bas, ça ne fonctionnera pas. Souvent, ça va créer des gros conflits d'horaires. Donc, il faut vraiment essayer de s'insérer dans leur cursus, je vous dirais, plus régulier. Ça va demander un petit travail d'adaptation de votre cheminement avec donc le professeur dans votre département, mais vous allez être bien encadré puis bien conseillé pour faire des bons choix de cours. On
va faire une petite pause pour nommer le récipiendaire de notre prix. Est-ce que tu as le prix? Alors, je demanderais à Corentin Brestaud de Télécom Sud Paris venir choisir son prix. Félicitations. Bravo, Corentin. Bonne présentation. Voilà. C'est un plaisir. Est-ce que vous aviez d'autres questions, quelqu'un? Donc, moi, je veux seulement vous rappeler, peut-être en terminant, il va y avoir un atelier pour la préparation du dossier de participation. Si vous commencez vos recherches, il y a des questions qui vous viennent, puis je suis presque certaine que ça va être le cas, ce serait tout à fait normal. Donc, le 2 décembre de 10 à 11 au local B314, tous les détails sont sur notre site Internet également. Donc, je vous invite. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais qu'on fasse encore une fois une belle main d'applaudissements à nos 8 étudiants qui ont généreusement accepté de venir parler de leur école. Donc, merci beaucoup. Puis, la séance d'aujourd'hui va profiter même dans le futur puisqu'elle a été donc filmée. Donc, on va pouvoir se servir de cette présentation pour faire encore plus de promotion. Donc, merci à tous et bonne journée.